Bonjour à tous. Voici la question 3 du C1D en sciences de juin 2022. Pour obtenir le questionnaire 2022, reprends le lien en description et clique sur Questionnaire C1D 2022. Cette question se rapporte à la notion de pression atmosphérique. Si tu veux réaliser les questions, mets la vidéo sur pause. Voici le premier document. Voici les documents 2 et 3. Et voici la question. Avant toute chose, je peux te recommander de revoir la leçon sur la pression atmosphérique en cliquant sur la fiche d'information ici au-dessus. Analysons le document et regardons comment fonctionne un arrosoir goutte à goutte. Le principe est bien que l'eau tombe, goutte à goutte, dans la terre pour donner de l'eau aux plantes. Au-dessus, nous voyons le réservoir d'eau qui est en fait une bouteille coupée, donc une bouteille sans fond qui est retournée. Puis nous avons le tuyau qui amène l'eau vers le goutte à goutte qui va délivrer l'eau à la plante. Les deux autres éléments servent simplement à fixer la bouteille et le goutte à goutte en terre. Selon l'expérience, on voit que la seule chose qui change entre les dispositifs de Nicolas et Rose, c'est le fait que la bouteille est bien coupée chez Rose et ne l'est pas chez Nicolas. On va dire que tout va bien au premier jour, mais si on regarde 30 jours plus tard, la plante de Nicolas n'a pas bonne mine et est en train de mourir. En effet, le goutte à goutte n'a pas fonctionné. Par contre, chez Rose, le goutte à goutte a bien fonctionné. Pourquoi La bouteille est bien ouverte et laisse donc passer l'air. Ainsi, l'air peut exercer une force pressante sur la surface de l'eau. C'est en fait la pression atmosphérique qui permet à l'eau de descendre petit à petit. Si la bouteille reste fermée, donc si elle n'est pas coupée à sa base, l'air ne s'est pas rentré pour pouvoir exercer une pression sur l'eau. On peut donc écrire tout cela sous cette forme, où l'on justifie que le goutte-à-goutte goutte de rose a fonctionné car la bouteille est ouverte, ce qui a permis à l'air d'exercer une force pressante sur la surface de l'eau, ou pression atmosphérique. L'eau a donc pu s'écouler sur la terre. Voilà, cette vidéo est terminée. A très bientôt pour une autre question de C1D.